Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. Salut. Bonjour Jeff. Bonjour. Ça va bien, messieurs? Très bien. Vous êtes de bonne humeur? Très de bonne humeur. J'aimerais voir ça, j'aimerais voir ça. alors aujourd'hui, justement, on parle de miséricorde, donc c'est un sujet qui devrait nous mettre de bonne humeur. Oui, oui, absolument. La miséricorde. François, peux-tu nous donner une définition de ce mot miséricorde? J'ai déjà entendu quelque chose qui est vraiment pas théologique, mais que j'ai trouvé ça mignon. Comme il dit, c'est quelqu'un qui est dans un trou, qui est dans la misère, puis on lui lance une corde. Alors, c'est la miséricorde. C'est bon. Ouais, mais non, c'est une... Le Seigneur, pour de vrai, là, il a beaucoup de compassion. Il n'est pas indépendant. Il y en a qui pensent que Dieu, là, il a créé le monde. Là, c'est une théorie qui existe, qui est quand même populaire. Puis après ça, il nous a abandonnés, il nous a livrés à lui-même, à nous-mêmes. Ça, c'est pas vrai, ça. Hein? C'est pas vrai. Ben, t'as raison. Parce que la Bible dit, quand le malheureux crie, Dieu entend. L'Éternel entend. Ouais. Donc, Dieu entend les malheureux. Tout à fait. Et il y en a de plus en plus. J'ai vu un reportage à la télévision dernièrement qui démontrait qu'en Angleterre, les personnes âgées sont de plus en plus isolées. Et il y a des gens qui meurent dans leur maison, puis on les découvre plusieurs mois plus tard. Et c'est un phénomène qui n'est pas juste isolé, là. C'est un phénomène récurrent. Okay. C'est vraiment quelque chose de grave. Donc, des gens qui souffrent, des gens qui sont isolés, il y en a peut-être plus qu'on pense. Et François, toi, c'était ta question, je pense. Bien, moi, j'ai posé la question aux gens dans la rue, parce qu'on va parler aujourd'hui de quelqu'un qui était isolé. OK, on va le présenter tout à l'heure dans le texte qu'on va utiliser. Et j'ai posé la question, qui sont les gens les plus isolés dans notre société et quelle serait pour eux une bonne nouvelle? On écoute ça. Intéressant. Selon toi, qui sont les gens les plus isolés dans la société et quelle serait pour eux une bonne nouvelle? Je dirais les personnes qui ont des handicaps. Probablement les Autochtones. Puis une bonne nouvelle, ce serait où peut-être qu'on commence à écouter leurs propres paroles à eux. C'est ceux qui souffrent, justement, de se sentir incompris. Je pense que les gens qui sont isolés en ce moment, c'est vraiment les personnes âgées. Je pense que tout le monde se sent un peu isolé. C'est les plus démunis, les gens qu'on croise encore dans les rues de Québec ici. Là. La solution, ce serait que peut-être de plus en plus, il y ait des logements coopératifs, donc on pourrait vraiment joindre les personnes âgées et tout, les familles, les personnes seules, célibataires. C'est un problème, hein? Les gens qui sont de plus en plus isolés dans notre société. En fait, le nombre la population augmente de plus en plus, mais en même temps, les gens isolés, il y en a de plus en plus aussi. Même au milieu d'une foule, il y a quelques mois, j'ai été dîner dans un centre commercial. Vous savez que c'est cafétéria, puis on a différents comptoirs qu'on peut se servir. Et puis, j'avais pas beaucoup de place, alors je me suis assis une place à côté d'un monsieur, en face d'un monsieur, tu sais, j'ai demandé, puis... Le monsieur, j'ai un peu conversé avec, puis il me disait, ben moi, je suis tout seul, tu sais, fait que je viens ici au centre d'achat, puis tu sais, je viens faire un tour. Mais je me suis dit, le gars, il avait pas l'air malheureux en passant, par exemple, mais mettons, ce gars-là, il avait peut-être 500-600 personnes, mais il était quand même tout seul. Tu sais, il y a personne qui, si je m'étais pas, moi, assis avec lui, il aurait peut-être pas parlé à personne, à part qu'il allait voir des gens lui-même, je sais pas. Mais tu sais, tu peux être seul, te sentir seul, être isolé, même si t'as pas l'air de ça. S'il y a des gens qui souffrent, des gens qui peuvent être riches ou des gens qui sont pauvres, qu'on pense que le riche, lui, est heureux, puis l'autre, il est pauvre, qui est malheureux. Mais pour de vrai, il y a la solitude, c'est quelque chose. Même moi, quand j'ai eu le cancer, pour ceux qui vont prendre cette émission-là, bien, je me sentais toute seule dans le sens, dans ma condition. Tu sais, si toi, tu dis que tu vas mourir bientôt, les autres sont bien en vie, ils font des projets, alors il y a comme, hein, tu sais, t'es comme isolé. Oui, et dans le Vox Pop qu'on vient de voir, évidemment, il y avait une multitude d'opinions. Chaque personne a son opinion personnelle. Mais cette jeune fille, tu sais, qui dit, on est tous quand même un peu isolés, tu sais. Et je pense que cette notion d'être seul, c'est typique à chaque individu, finalement. C'est intéressant quand on demande à quelqu'un son nom. D'après vous, quelle est la réponse classique quand on demande à quelqu'un son nom?
il va donner son prénom. OK. On n'appartient plus à un clan. On n'a même plus de famille. Parce que ton nom, c'est le nom de famille. Le prénom, c'est dans ce clan-là, t'as un nom à toi. Intéressant. Donc, les gens, notre société a tellement éclaté, on a tellement voulu être des individus, mais ça a été au détriment de la communauté, que ça produit inévitablement une culture de gens seuls au milieu de la foule. Tout à fait. Et puis, on n'est pas fait pour être seul. C'est ça. Non, et justement, Jésus est aussi la solution à ce problème-là. L'Évangile, selon Marc, la bonne nouvelle, selon Jésus, selon Marc, ben, c'est justement que Jésus est la réponse, la solution au problème qui nous touche tous. Et comment est-ce que Jésus peut répondre à un problème d'isolement, une personne qui souffre, mais qui n'a pas d'espoir, qui est laissée seule avec sa souffrance? Comment est-ce que Jésus réagit? Ben, c'est ce que nous allons voir dans le texte que nous allons aborder aujourd'hui après la pause.